Clac, 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 clac. En plus, c'est un jeu, les gars. À chaque fois qu'on regardait les trailers, on était hype. Chaque fois qu'on regardait les trailers, on était hype, les gars. And so was formed the hallowed sentinels. Merde, j'ai loupé our la cinématique. Duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises. The Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Allez, les gars, les gars, allez, les gars, les gars. Chaque fois qu'on voyait les trailers, de toute façon, les gars, on l'avait dit. Je veux juste un sabre rouge, bleu brillant. Ah, la roulade. C'est vrai qu'on va rouler, les gars. Ah non. Ok, donc faudra compter sur les papillons pour nous raise, hein, les gars. Donc ouais, les gars. Alors, je vais vous lire le... Alors, Lords of Arran est un tout nouveau jeu d'action et de RPG qui se déroule dans un monde vaste et interconnecté, plus de 5 fois plus grand que le jeu original. Attends, mais il y avait un jeu original? Ah ouais? Donc ça c'est un... Ok, ok, je savais pas. Disponible, je pensais que c'était un nouveau truc. Disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox, coop et PVP. Hein? Vivez la campagne solo, seul ou invitez un second joueur à rejoindre votre partie en coop, en ligne, ininterrompue et également en PVP. Explorez un vaste monde interconnecté, voyagez à travers deux vastes mondes parallèles dans votre quête. Mais si vous tombez dans le monde des vivants, vous vous releverez. Dans le monde des... vous vous releverez dans le mort, dans le monde des morts. Donc en fait, si je crève, je me relève dans le monde des morts. Ok, intéressant comme mécanique. Vous avez maintenant une dernière chance de revenir à l'état vivant, alors que toutes sortes de créatures infernales s'abattent sur vous. Ah non, ça c'est le lore, je suis con quoi. Ah, je crois que c'est le lore, les gars. Personnalisation du personnage. Personnalisez entièrement l'apparence de votre personnage à partir d'un large éventail d'options visuelles avant de choisir l'une des 9 classes de personnages. Quel que soit votre choix de départ, développez votre personnage selon votre propre style de jeu, en améliorant les statistiques, ses armes et son armure et ses sorts. Mesdames et messieurs, cliquez sur le lien, s'il vous plaît, point exclamation Lords of the Fallen et déchirez le lien, mesdames et messieurs. C'est parti, mon kiki. J'ai déjà fait mes réglages en plus. Donc c'est parti, mon kiki. Je sais pas... Mais là, je pense qu'on est bien parti pour le finir, le jeu, les gars, je vous le dis. On est vraiment bien parti pour le finir. À force d'éon, les fantasmes deviennent foi. Dans un conflit entre divinités... Ok, merde, j'ai pas lu le premier putain de message. J'ai pas lu le premier message, les gars. Cher Dieu ou mort incarné, tout sera consommé. Car elle doit se repaître. Tiens, définition repète s'il vous plaît.
Définition rupestre. Nourrir, ok, merci. Bien manger. Là, on est dans le monde des morts, là. Parce qu'on était dans le monde des vivants, c'est ça? Boris, forgive me. And steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Vraiment? Il a jeté la lanterne! Il abandonne! Non! Ah, il a bien fait du coup. You never possessed the metal for this crusader. You failed. Il va le tuer quand même. Giga Chad. Ah non. Ah ouais, non, là il est foutu, les gars. Là il est. Ah merde, oui, effectivement. Merde. Excusez-moi, j'ai pas mis collaboration commerciale. Merci, merci. Désolé. Hop, qu'est-ce que c'est? Merde, non, c'est pas gambling, c'est. C'est pas drugs, c'est content. Attends, mais c'est où? Ah oui, let viewers know that the future branded content, ok. Ok. La sélection de la classe alors. Saint chevalier, un vaillant chevalier dont la loyauté envers le clerc et les saintes, gna gna gna. Cette classe est axée sur la prouesse physique renforcée par la radiance. Ok. Loup guerrier Udirangre. Cette classe dévastatrice mise tout sur la force brute pour le meilleur ou le pire. Elle dispose que d'une armure légère. Bien, bien. Partisan. Il manie le fléau d'acier au corps à corps et une arbalète à distance, une classe polyvalente, solide et fiable. Ok. Le Monsteed Fantassin. Une classe pour ceux qui préfèrent la dextérité et voyager léger plus que la force et les armures pesantes. Moi je suis d'avis pour voyager léger, les gars. Rôdeur plume noire. Ah, ça c'est Squeezie, je crois, non? Classe facile d'accès, idéale pour ceux qui recherchent la polyvalence et non une approche plus ciblée. Ouais, c'est Squeezie, classique. Squeezie avec ses faux. Classique. Ouais, Squeezie, c'était pas un magicien, les gars? Ouh, classe avancée. Ah, ah, là on parle. Là ça me parle. Cette classe est difficile à maîtriser, mais d'une efficacité mortelle. Je préfère. Je préfère déjà. Déjà, je préfère. Est-ce qu'on a changé le titre, les modos? Non. Clac. Clac, merci. Hein? Tu fais solo le jeu? Bah mec, c'est vrai que s'il y a un mode coop, c'est... Mais le collaboration... Non, je crois que je suis pas obligé de le mettre maintenant. Le collaboration commerciale. Mettre un overlay du stream indiquant publicité ou collaboration commerciale ou activer la fonction inclue dans Twitch pour le contenu promotionnel. C'est bon. En fait, il y a déjà l'onglet, regardez, vous avez vu? Il y a déjà l'onglet, les gars. Via Twitch. C'est mieux en solo? Non, non, solo, les gars, solo. Les gars, c'est bon. Giga Chad. Je peux pas sauter la cinématique, les gars, je crois. Terrifiant. Non, je peux pas la sauter, les gars. Le jeu entier avec un pote sans aucune coupure et la difficulté est augmentée en coop. Comment ça, eux?
Oh, bien vu. Ok. Prophète Dorius. Ah, le magicien. Let's go. Classe physiquement vulnérable. Qui s'appuie sur la radiance pour se protéger ou calciner la chair, pécheresse, hérétique. Donc en fait, le saint chevalier, c'est le paladin, quoi. Ok. Alors, morphologie B. Morphologie A. Ok. Le pyrocultiste. Classe à haut risque, axé sur la maîtrise du brasier. Ok, c'était... Ok, à mon avis, le condamné, les gars, là, c'est le truc le plus hardcore. Chat. C'est sûr, c'est le truc le plus hardcore, les gars. Une classe pour ceux qui veulent maudite le destin et étrangler l'adversité sans faillir de leurs mains ensanglantées. Sélectionnez à vos risques et périls, j'en étais sûr. Prisonnier de basse extraction qui a subi des tourments indescriptibles pour un crime qui ne peut, qu'il a peut-être ou peut-être pas commis. Classe pour ceux qui veulent maudire le destin. Non, 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 les gars, c'est mort. C'est mort. Bon, alors, les gars. Moi, j'hésite entre le loup guerrier. Le loup guerrier, j'aime bien, les gars. Vous voulez le tracker, les gars? Cet ex-assassin impérial disgracié est banni de sa patrie, devenu un coupe-gorge nomade qui élimine vite et bien pour une bouchée de pain. Cette classe est difficile à maîtriser mais d'une efficacité mortelle. Ouais, ça non. Moi, chat, j'avoue que je suis plus un mec avec qui tape à deux mains, tu vois. Après, je vous dis la vérité, je finirai le jeu beaucoup plus rapidement si j'avais un bouclier. 100% c'est sûr. Les gars, c'est sûr, les boucliers, les gars, c'est toujours très fort. Le prophète. Non, t'es un ouf, toi. Le pyroculturiste. Qui a juré de ramener l'ordre naturel, celle vraie Dieu de l'humanité. Classe à haut risque, axée sur la maîtrise du brasier. Le saint chevalier, à mon avis, c'est vraiment le truc où tu roules sur le jeu, les gars. Bon, mettez un sondage. Moi, je suis prêt à jouer. Saint chevalier, loup guerrier, Udangrir, tracker. Et c'est tout. Ok, non. Et le Monstead fantassin, les gars. 4. 4. Désolé, faudra refaire la prédit. Non, non, non. Le condamné, je le ferai pas, les gars. C'est mal. Le mec commence, il a une bouteille. T'as vu, là? Son arme, c'est ça, là. C'est ça, l'arme. Son arme, c'est ça, les gars. C'est bon. Attends, tu l'as mise la prédit là parce que j'ai retiré tellement vite. Donc là les gars, saint chevalier. Ah mais vraiment vous voulez le tracker les gars? Je trouve pas ça stylé, tu vois ce que je veux dire? Agité 16, endurance, vitalité, force. 12 force, 15 endu. En vrai, l'endu, moi je m'en fous. Et la vitalité aussi. Agité 8. Et lui, force combien? 16 force! Tu peux parer avec tes dagues? Fantassin, ça a l'air OP. Ouais. T'as vu? Eh, d'accord. À mon avis, Fantassin, c'est... Toi, tu l'as vu, toi. Toi, tu l'as vu. Toi, t'as le flair, mec. T'es mal les stats.
T'es mal les stats, mec. Toi, tu l'as vu, mec. Ascrip, faut jouer discret avec le tracker. C'est classé par difficulté. Saint Chevalier, c'est 1 sur 9. Et Condamné, c'est 9 sur 9. Ah! Je suis pas sûr. Bon, les gars, moi j'ai... Non mais Pyrrhus, ça va être un truc de mage et tout, les gars, la flemme, non? Les gars, j'ai le droit de jouer ce que je veux aussi ou pas, les gars? J'ai pas envie de jouer, lui, là. Classe pour ceux qui préfèrent la dextérité et voyager léger plutôt qu'à la force et les armures pesantes. Non, Rodor Plumera, il est hors de question. Classe facile d'accès, c'est terminé. Non, vraiment, c'est terminé. Il y a écrit classe, un vétéran de l'infanterie de Mondstedt qui a passé assez de temps dans la boue, le sang et le chaos de la guerre pour privilégier l'agilité. La vitesse et la capacité de tenir l'ennemi à distance. Classe pour ceux qui préfèrent la dextérité. Tu vois, j'aime bien lui là. Je l'aime bien lui, les gars. Je l'aime bien lui. Sinon, je fais le Saint-Chevalier pour faire du RP, les gars, aussi. Hein. Le Saint-Chevalier, je fais du roleplay. Un vaillant chevalier dans la loyauté envers le clerc et la sainte sentinelle n'a d'égal que sa détermination à vaincre à dire et les regards. Cette classe est axée sur les prouesses physiques renforcées par la radiance. Les gars, là, mon premier feeling, c'était lui. Et vous savez quoi? Voilà. Voilà. Quel style, on a un vrai, on a du vrai custom là. On va faire une guerrière, mon frérot. C'est quoi type B? C'est quoi type A? Alors ça, si je suis très nul au niveau de la physionomie, tu vois, je suis très nul à ce niveau-là, donc je vais pas trop m'attarder. Je sais pas comment faire un beau visage, je sais pas ce que ça représente un beau visage. Je crois qu'il faut avoir une jawline un peu comme la mienne, tu vois. Pour avoir un beau visage, j'en sais rien les gars, j'ai jamais vraiment compris. Alors on va faire la même couleur de peau que moi, hein. Du coup, parce que moi, tu sais, genre je prends beaucoup de soleil, tout ça, tu vois, donc je suis un peu bronzé. Ah ouais, mais là c'est pas très bronzé. Et le bronzage là, c'est plus du bronzage Donald Trump. Ok. Les cheveux. Les cheveux. Tu vois, ça me vénère parce que dans toutes les trucs, il n'y a pas les mêmes rivières que je dispose. Tu vois ce que je veux dire? Et ça nous montre quoi, ça? Ça nous montre que je ne suis peut-être... que j'ai une mauvaise ligne de cheveux, hein? C'est ça? Ça, j'aime bien, ça fait à jour. Ensuite, poivre et sel. Comment je fais poivre et sel? Voilà, poivre et sel, les gars. Poivre et sel. Pilosité, texture de visage, tatouage. Hein? Jeune, mûr, âgé. Ah oui, d'accord. Chat, quand vous dites que je suis une personne âgée, voyez? Voyez, les gars? Excusez-moi, les gars, mais ça va, tu vois, moi, je suis jeune, là, regardez. Attends, ça fait quoi, jeune et mûr? Ah merde, je crois que je suis mûr du coup. Attends, mais il n'y a aucune diff.
Bah ouais, jeune et mûr, y a pas de diff, c'est ce que je vous avais dit les gars. Ha, c'est ce que je vous avais dit les gars. Bon, le nez, il me paraît bien le nez les gars. Les oreilles, bon j'en sais rien mon frérot. Et les pommettes, j'en sais rien non plus. Allez. Le corps. Giga Chad, musclé. Qu'est-ce que j'aime le fait que... J'adore les jeux qui nous laissent vraiment liberté au max, tu vois. J'adore, j'adore. La team squelette. Ça c'est mes viewers. Les gars, moi je vous le dis, ça c'est mes viewers, les gars. Là, les gamers qui me regardent, c'est ça, c'est ça. Les gars, je pense que, tu sais, genre, ma commu, c'est ça, tu vois. Moi, j'adore la team squelette, les gars. Pour moi, en dehors des loutres, de tout ce qu'on a pu inventer sur le live, les gars, Team Squelette, c'est le meilleur, les gars. On va quand même roleplay ça bien, les gars. Musclé, Giga Chad, corps de pose, c'est bon. Tatouage, bien sûr. Tatouage, bien sûr. Bien sûr, on a des tatouages. Vas-y, ok. Ok, c'est bon. Bon, hey, on verra pas mes tatouages parce que de toute façon... je serai sous une armure. Évaluer. Voilà. On verra pas mes tatouages. C'est bien là. Didacticiel. C'est pour les noobs. Renommée. C'est un homme ou une femme? On s'en branle. En fait, c'est de type morphologie B. T'en fais ce que tu veux, voilà. Morphologie B. Ça, j'ai vu des bons pseudos là, les gars. J'aime bien. Squeletton. Non. Allez, 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 c'est parti, c'est l'histoire de Squeletton, mesdames et messieurs. Gigaton. C'est vrai que j'aurais dû faire un gigaton, je pense. Law, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. À tous les coups, j'ai pris l'un des persos les plus durs à jouer, c'est sûr. Our work is of the greatest import. Pourquoi il me laisse dormir? Genre, emmène-moi avec toi, non? Et voilà, je dois traverser la lune et l'univers. Pour le rejoindre parce que le mec voulait pas me mettre dans sa charrette. Bouge la cam, tu caches les sous-titres. Eh, hey, bouge-toi. Il va apprendre l'anglais, mec. Il y a une difficulté à gérer. Ah, mon frérot. Ça se voit que le jeu est difficile, direct. Alors, ça, c'est quoi qu'il arrive? Une attaque légère. Ok, j'ai mon combo, ok. J'ai mon enduit en haut à gauche. Attaque méga lourde. Alors ça dash un petit coup vers l'avant aussi, le fait de... Alors comment je roule, comment je roule.
Ça, c'est ma lanterne. Mâche séparée. Hors de question. Hors de question. Comment je pars, moi? J'aimerais bien toucher A pour... A pour parer, j'aime bien, moi. J'aime bien A pour parer, les gars. Faille de l'umbral. Attends. Ok, attends. Y'a pas un truc roulade, genre? Esquiver barre d'espace. Ouais, ça va le faire. Oh merde, y'a un gars là. Le tuto m'a rien appris, les gars. Ah, ça c'est cool, ça par contre. Tu vois, j'aime bien le jeu, il est quand même travaillé pour clavier souris, donc ça c'est cool. Je suis déjà mort. Je suis déjà mort, les gars. Premier squelette, les gars, je suis déjà mort, putain. Oh, il se passe un easter egg là. Crainte de vigueur insignifiante. Verrouillage, clic molette, normal, orienté pour changer de cible. Ah, c'est cool ça! Tu vois, ils ont pensé à ça, ça c'est vraiment cool. Mais c'est les noobs qui jouent avec verrouillage, les gars. Ok, double attaque légère, très bien. Comment je cours? Comment je cours? V pour courir. Oh, on arrive à casser les vignes divines. Alors V pour courir, il est hors de question. Hors de question. Désolé les gars, mais course V, mage. C'était quoi mage déjà? C'était paré. Blocage. Merde. Je vais mettre A. J'espère qu'il n'y a rien en A, les gars. Faille de l'umbral. Je vais mettre ça, là. Ok. Ensuite... Attends, non, mais c'est peut-être une mauvaise idée. Je vais mettre V, tiens. Faille de l'umbral, je vais mettre V. Je sais pas ce que c'est encore. Qu'est-ce que j'ai bougé aussi, les gars? Courir, c'est où courir? Courir. Course. Clac. Clic pouce 2. Bien. Ah! Comment ça, zéro effort, mec? Tais-toi! Ça noob! En avant ça, appuyez sur. J'ai pas eu le temps de lire, les gars. J'essaie de. Le loot? Attends, y'a du loot? Prends un timeout, toi. C'est bon. Presse F. Attends, comment je saute? En courant, appuie sur F pour sauter? On est hors de question. Absolument hors de question. Barre d'espace, sauter. Voilà. Et l'esquive, je vais mettre bouton de souris, les gars. Parce que je suis un giga tchad. Marcher, C. Pourquoi j'aurais besoin de marcher? Fonction de tir, changer de posture, tab. Esquiver, clac. Ah! Ah oui, donc en fait, la barre d'espace ne sert qu'à ça. Et il faut courir pour sauter. Esquive et roulade. Ouais, ça c'est bon, t'inquiète, on connaît. Oui, mais il faut vraiment verrou. J'aime pas le système de verrouillage dans aucun jeu, les gars. Moi, j'adore taper inventaire. J'adore taper, tu sais, en mode je vise, quoi.
Comment j'ouvre l'inventaire? À ceux qui regardent le live, attention à vos oreilles. Si ça se passe comme Elden Ring, au bout de la 45e fois, la perte d'audition est d'au moins 78% d'ici la fin du live. Bon courage à vous tous. Comment je me heal, chat? Parce que là, je suis dans la merde. Ah bah tiens, voilà, c'est R. Crainte de vigueur insignifiant. C'est le Sanguinarix qui me heal. Combat à distance. Appuyez sur... Je sais pas, pour passer en mode de tir. Puis contrôle pour utiliser l'arme de tir. Mais j'ai pas d'arme à distance. C'est ça le problème, non? Les gars, j'ai pas d'arme à distance, on est d'accord? Achète enveloppé de tissu maquillé qui inflige dégâts physiques. Des cailloux? Non mais j'ai pas d'arme à distance, les gars. Appuyez sur... Bon attends, j'ai peut-être changé les contrôles comme un con. Ah mais j'en ai pas. Je pars déjà. Bon, j'ai pas d'arme à distance. C'est aussi simple que ça, les gars. Les papillons, sectionnez votre lampe, levez-la pour franchir le chemin, active uniquement dans l'umbral. Wouah! What the fuck? Incroyable! Attends. Les papillons de nuit indiquent les lieux notables de l'umbral. Oh, what the fuck! Et du coup, je fais quoi? Une entité de l'umbral vous empêche d'avancer. Ok, donc c'est juste ça, je crois. Ah! Oh waouh, ok, mais alors ça, putain, si je le fais, les gars, stunlock, combinaison d'attaque. Toutes les attaques, tirs compris, peuvent être enchaînées pour créer des combos. En outre, vous pouvez changer de posture, tester différentes armes au corps à corps, ok. Oh, ouais, ça commence mal. Bon, allez, on va verrouiller, les gars. Je vais verrouiller, les gars, je vais verrouiller. On va commencer à verrouiller, les gars, parce que là j'ai plus de son là. Faites défiler les objets en accès rapide. Ok, ok. Vous pouvez acter n'importe quel consommable à vos objets rapides. Faille de l'umbral, sélectionnez votre landrum, maintenez V pour ouvrir une faille et passer dans l'umbraille.
Attention, vous pouvez pas quitter l'umbral quand qu'à des endroits précis. Putain, mais ça fait flipper. Waouh. Alors du coup, je dois faire quoi? Clic là. F. Vous pouvez planter une graine vestiale. Sélection lampe. Levez la et contrôle, puis maintenez V. Ah ouais, c'était grisé. Ok. Ah, c'est fou ça. Extraction d'âme sur les obstacles. Faut verrouiller, sélectionner la lampe pour extraire la cible. Hein? Ok. Extraction d'âme sur d'ennemis. Ok. Une fois l'érosion maximum, appuyez sur quelqu'un pour arracher son âme. Hey, les gars, c'est bon. J'ai pas fait exprès. Tiens, j'ai pas fait exprès. Attends, on va mettre la clim là. Attends, j'ai fait le tuto là? Non, mais attends, ils avaient pas prévu un mec qui allait faire le tuto. Attends, ils avaient pas prévu ça, les gars! Ils avaient pas prévu un mec aussi nul que moi, les gars! C'était pas évident, j'allais dire. Ils avaient pas prévu un mec aussi nul, genre. Sérieusement là? Donc on passe dans l'umbral. Voilà, c'est déjà fait. Par contre, j'ai plus de vie. Non mais attends. Il faut l'érosion maximum. Sélectionner le lampe umbral, éclairer, lever là, puis utiliser clic droit pour l'extraire l'ennemi. J'ai pas compris, les gars. J'aurais dû prendre le chevalier, les gars.
Il était verrouillé. Il était verrouillé, Sanobs. C'est bon les gars, ça va prendre 2 secondes, c'est bon. J'y suis déjà là, les gars. Je m'entraîne pour speedrun, les gars. Je m'entraîne pour speedrun. Je suis déjà en train de m'entraîner pour speedrun, les gars. C'est comme ça que ça marche ici, vous le savez tous. Vous le savez tous. Mais regardez ma vie, les gars. Vu que je suis dans l'umbral, ma vie, elle est réduite. Donc lui, il va me one-tap. Appuyez sur verrouiller. Sélectionnez votre lampe. Levez-la pour utiliser pour extraire l'âme de l'ennemi. Une fois l'érosion au maximum, je sais pas ce que ça veut dire. Appuyez sur clic gauche pour arracher son âme avec votre lampe umbrale. Bon allez, au revoir. Extraire l'âme d'un ennemi consomme une charge, mais pas l'extraction d'éléments d'environnement. Verrouillez l'objet avec... sélectionnez votre lampe umbrale. Ah, ça m'a consommé un truc là. Merde. Drainage, extraire l'âme d'un ennemi consomme une charge. Sélectionnez votre lampe umbrale avec la levez la contrôle puis drainer les ennemis. Les cloques avec clic gauche. Puis drainer les ennemis et les cloques avec clic gauche pour regagner des charges. Chat, est-ce qu'il faut que j'arrête d'utiliser ma lampe une fois que le gars il est drainé? C'est ça le truc en fait. C'est quoi ce bruit? Récupérer des charges d'extraction d'âme, drainer les ennemis ou les cloques avec contrôle et... Ah ok, ça va, c'est comme ça en fait. Ah ok, je crois que j'ai compris les gars. Ok, je crois que j'ai compris. Votre santé est érodée quand vous passez dans l'umbral et effectuez certaines actions. Vous pouvez regagner votre santé globale érodée en infligeant des dégâts aux ennemis. En revanche, vous la perdez instantanément si vous faites toucher. J'ai rien compris. J'ai rien compris, les gars. Ça je sais faire. Ah, ça je sais faire. Allez vas-y. Allez hop, ça je sais faire. Quand vous tombez, appuyez sur clic gauche ou pour effectuer une attaque plongée. Vous pouvez essayer le verrouillage pour gagner en précision. Ok.
Bon allez, ça y est, je suis le maître du jeu les gars, ça y est. J'ai capté, je suis le maître du jeu. Un séjour prolongé dans l'Umbral attire l'attention de ses hôtes et les moins recommandables. Plus vous y attirez, plus vous traquez dangereuses. Ok. Oui, j'ai essayé. J'ai entendu un bébé, les gars. J'ai entendu un bébé pleurer. Headshot. Voilà, j'ai gagné. C'est bon. Detry le boss tuto minimum. Non. Non. Mettez 3 try prédiction maintenant, les gars. 3 try prédiction, premier boss, les gars. 3 try prédiction. Trois try prédiction les gars, je vous le dis. Je vais l'éclater les gars, je vais le one tap. Les vestiges marquent les endroits où sont tombés les précédents porte-lampes. Après activation, ils servent de point de résurrection si vous périssez dans l'umbral. Vous pouvez vous téléporter entre deux vestiges activés et les utiliser pour aller, voilà, se reposer. Améliorer le personnage. Alors, les gars, je crois qu'on n'a pas le temps de niaiser. On va aller directement dans de la force. Mais j'ai rien. Donc, force à nous. Littéralement, force à nous, les gars. Alors, je vais one-tap le mec. Je passe en arme à deux mains. Clac, deux mains, les gars. Et je vais lui couper la tête. Blocage. Bloqué en maintenant A. Active ton compteur de mort. Oui, messire. Oula, pas celui-là. Non. Attends. Je n'ai tellement pas qu'il est pas sur mon stream deck. Attends, il faut que je l'ouvre. Plac. Aïe. Facture, je crois que c'est ça, c'est la facture. Non, c'est pas la facture ? Objectif. Countdown, follower. Jauge. Non, c'est pas le countdown, attends, je le cache, voilà. Merde, je sais pas où il est frérot, l'affichage de mort mec. Je crois que je l'ai plus hein. Ah non, je crois que... Ah oui, c'est un autre truc. C'est ça je crois. Ouais c'est ça. Vas-y teste-le. Ok, vas-y, tu peux aller, ok. Parade. Ah, une parade A ou un coup de pied. A et clic gauche. Ok. C'est parti. Oh ! Elle vient de faire one tap. Attends, parce que... Attends, est-ce que dans les trails on compte le fait que je...
Ah, tu putain mère, genre vraiment, je veux dire la vérité, tu putain mère. Je t'ai calpadé là. Mais j'ai quand même. J'ai quand même fait une parade. Ah, donc les parades. Ok. Ah putain, là vous êtes en PLS là. C'est le premier boss, les gars. C'est terminé, hein. J'ai gagné. Oh les gars, vous êtes trop nuls. Oh, vous êtes trop nuls. Attendez, c'est quoi ça? Attendez, c'est peut-être ça le boss. Ah. Give me that ramp. Non, c'est pas possible, j'y crois pas, les gars. J'ai plus de soin, attends, 2 secondes. Sérieusement, là? Eh, hey, attends, je suis mort de quoi, là? Je vais chier. Je crois que je suis supposé mourir, hein, classico, hein, non? What the fuck? Je suis rené de mes cendres. Nah, tu vois? Ouais. Nah, ce qu'on passe, ça fait partie du tuto. Hein? Attends, fin du jeu. Attends, what? Bad ending, les gars, t'imagines? Ah ouais, là, du coup, c'est une mort, je crois, merde. Attends, quoi? Non, ça fait partie du jeu, les gars. Mais il a pris la lampe, du coup, j'ai pas compris, les gars. Merde, j'aurais dû relire le tuto. Vas-y, d'Umbral peuvent former une autre relation symbiotique. Ça... Plus dur que le boss, le mec. Il était plus dur que le boss. Attends, y'a un mec là. Fury est votre ennemi. Verrouiller un ennemi en appuyant sur clic. On a le tout? Non mais c'est bon, hein, les gars, vous avez perdu la prédiction, c'est fini. Thank you.
always wondered if there were others. You're probably thinking that lamp's just a tool to be used as you see fit. Mais attends, j'ai... Take it lightly, and you'll find it's the other way around. Mark my words. J'ai pas compris, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé là quand le boss là il a voulu prendre ma lampe? J'ai pas compris, les gars. Mes yeux, ils ont vu que de la merde ou il se passe quoi là? I don't know who you are, and I don't care. But since it seems a deer has you marked. Ah, c'est lui qui m'a sauvé? Bah, il a fait une erreur. I've defied the rules of gods and kings. If you know any kind of freedom, you'll do the same. I've defied the rules. If you know any kind, if you know any. T'as fait une erreur. Je peux revenir dans le monde réel. Ok, donc ça c'est bon. Voyager un vestige. Ok, se reposer. Ok, donc quand tu te reposes. Ok. C'est parti. Bon, je veux un boss là. Donnez-moi un boss. Je veux un boss. Des fragments d'événements souvent traumatisants. Sélectionnez votre lampe et levez là. Puis maintenez V pour ouvrir une faille. D'abord ouvrez la faille vers l'ombral. Ensuite, gnagnagna. Chiche. De la mort. Ok, donc là on est en train de suivre une histoire. Attends, il y a un easter egg là. Classique. Donc là il y avait un truc devant eux là. Et ils ont fall back, les gars. Attends, mais il y a un boss là. Attends, c'était la salle de boss qu'on vient de faire là, les gars. Attends, merde, je vois pas le loot. Okay. Ils ont dit fall back, machin. Oh putain, je suis mort. D'où ça me touche? Ouais, j'avais oublié, mec, à quel point c'était frustrant des jeux comme ça, tu sais. Tape une fois, frérot. Ah, le chevalier, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Hein. Taper plus rapidement, les gars, que taper méga lentement. Ouais. Après, c'est cool parce que je fais mal quand même. Oh, coffre! Sainte condamnation. Arrête! Le bâtard. Oh non, c'est un relou.
Ouais, les gars, le triple clic, il... Le triple clic, il est dangereux, les gars, je vous le dis. J'ai voulu parer, chat, j'ai voulu parer, j'ai voulu parer. En tout cas, c'est bien, ça va me forcer, ce jeu va me forcer à... Eh, tu fais le malin, toi. Étourdissement et attaque à revers. Vider spectaculairement la posture d'un ennemi en l'approchant à revers, puis asséner une attaque lourde en pleine charge. La posture d'un ennemi est au point de se briser, il est peut-être étourdi. BAM! Ah ok, donc je le pousse. Bon, il me faut un feu de camp là. Il faut un feu de camp là. Oui, 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 oui. Ah, je voulais pas recommencer, les gars. Ah, je voulais pas recommencer là. Je ne voulais pas recommencer, les gars. Là, là, ça y est. Je ressens les sensations de pas vouloir recommencer, les gars. Force, les gars, ou pas? Ou est-ce qu'on ferait pas? Endurant. Attends, vitalité, les gars. Vitalité. C'est pas ce que j'avais fait, les gars, et... méga cheaté, les gars, vitalité. Ouais, voilà, classique, ça sert à rien, les gars. Non, t'sais. La porte ne bouge pas. Oh, quel hasard. Dégage le chariot. Alors qu'est-ce qu'on a ici là? J'ai une lanterne rouge. Oh, faut suivre les papillons, c'est un easter egg. BAM! Oh! Non, je rigolais. Quand tu pars. Non, mon. Ah ouais. Ah ouais, donc quand je pars, je perds de la vie. Mais je la récup. Je la récup si je. Hé hey. J'ai aucune arme à distance, les gars, je peux pas prendre ça. Achète. J'ai pas d'arme. Ah si, j'en ai. Je dois sélectionner les mains. Non mais c'est horrible le peu de vie que j'ai, les gars, c'est horrible hein. Oh non, j'aime pas ça. Ah oui. Ah oh, ça, y a vraiment un côté mindfuck hein. C'est pas mal. Et ils veulent farmer, ils veulent me faire farmer. Ah
C'était moi le farm. C'était moi le farm. Chérie, ils ont dit, tiens, on va farmer ce bolos là, tu sais. C'était moi le farm, les gars. J'ai... Excusez-moi, j'ai autre chose à foutre, merci. Hein? Attends, je suis juste venu là pour un easter egg? Oula, il y a du farm là. En vrai, là, les gars, c'est cette attaque là. J'aime bien cette attaque là. Là, tiens ce que je dis ou pas? Voilà! Oh, parade parfaite, les gars! Oh lolo! Ok, les pattes parfaites, les gars, il faut absolument que je les fasse. Hein. Mais attends, je suis en train de farmer là. C'est pourquoi ça? Cagoule de pèlerin et bandage de pèlerin, les gars. Non mais attends. Attends les gars, les... Châtillant, saignement. Ah mais c'est un truc de... C'est un truc de Nobs. C'est un truc... Ah, il y a une échelle là. Si, c'est méga rincé. Attends, le loot que j'ai looté là, il est rincé. Attends, y'a qu'une seule mort là? Non. Ah, le clic droit, il est fort. Ah, et là, je libère le pont. Attends. Je suis en train de capter un truc là. Fais pas le malade mental toi. Oh, belle esquive. Il y a les yeux qui me regardent les gars, il y a des yeux. J'aime pas avoir des yeux. Ok. J'ai libéré le pont, les gars. Ah, c'est un mec comme moi, ça. C'est un mec comme moi. Oulala, ça sent la salle de boss, les gars. Je vais pas kiffer, là. Il se passe quoi ici, là? Ah, c'est juste pour remonter? Ah, ils ont fait un truc chiant pour... Oh là 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 là. Ok, et c'est le même mec que tout à l'heure. Vas-y, je le bourrine. Tranquille. Ah, quoi? You carry the lamp long enough and you'll see history repeat over and over. If you don't... Attends, excuse-moi frérot, mais c'est... Il y a des mecs là en fait. Trouver un parterre de fleurs d'umbral placé au-dessus
Contrôle et maintenir F. You carry the lamp long enough and you'll see history repeat over and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself should you fall, make use of this. I've given you more honorable guidance than I ever had. Maintenez F. Trouver un parrain de fleurs. Oh! What? Je peux créer des points de respawn? Trop stylé! Miaou miaou la miaou bi miaou et miaou une miaou aventure miaou passionnante. Miaou chaque miaou jour miaou et miaou une miaou nouvelle miaou opportunité miaou de miaou découvrir miaou de miaou nouvelle miaou expérience miaou et miaou d'apprendre miaou. Miaou l'amour miaou, miaou l'amitié miaou, miaou et miaou la miaou joie miaou sont miaou des miaou éléments miaou essentiel miaou de miaou cette miaou expérience miaou extraordinaire. Miaou la miaou en miaou, miaou la miaou. Donc en fait là je reviens sur mes pas. Et là je reviens sur mes pas les gars. Et là je suis dans le monde réel. Ouais c'est ça. Attends c'était ici, il y avait un blocage. Ouais c'était là. Attends mais non mais j'étais là, j'étais là. Donc là c'est les swamps, ok, clac, donc il me faut la clé astrale les gars, ok. Wesh. Pause, 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 y'a pas de pause. J'ai un truc avec mon pare-feu. Pourquoi il me demande d'avoir accès à mon pare-feu maintenant les gars? Je suis en train de faire stream hack. Faut que j'arrive à faire des parades parfaites les gars, c'est vraiment le futur. Les parades parfaites c'est le futur les gars. C'est sérieux là? Ah, je rigolais, c'est bon, j'arrête. Mais du coup attends, mais j'ai loupé un truc là-bas non? Eh frérot, je vais t'éclater. Attends mais j'ai loupé un truc là-bas ou quoi là? J'aurais bien aimé suivre les papillons les gars. Un mini boss. Trouvez un parterre de fleurs d'umbrale, placez-vous dessus, sélectionnez votre lampe et maintenez F pour faire pousser un germe vestigial. Voyagez vers un vestige. Se reposer. I've given you more umbral guidance. Oh putain mais attendez les gars, je suis vraiment à ce point là aveugle les gars? Non. Les gars, ça va être difficile à regarder ça, je suis navré les gars. Oh! Waouh!
Ok, là, il y a un boss, là. Ouais, je sais pas, ça pue le boss, là. Ils sont les ennemis, là. Waouh, qu'est-ce qui se passe, là? Hey, laissez-moi un peu de la bataille, là. Foiré. Ah! Sérieusement, là, c'est quoi, cette magie? Waouh! Sale chien de stream hacker, va! Oh waouh! Je suis encore là, mec. Tu vas faire quoi? C'est pas possible. Tu viens de renaître, tu vas pas me renvoyer dans la tombe. Allô? Mauvais, oh, mec, tu sais, c'est le jeu quand tu le regardes les autres jouer, t'es en mode pourquoi t'es si mauvais. C'est exactement le genre de jeu, mec. Hey, qu'est-ce que tu veux, mec? Je lance une attaque, tu peux rien faire lorsque t'as lancé l'attaque. En fait, c'est juste, il faut pas spammer les attaques. Et tu sais, genre, pour un mec comme moi, c'est compliqué, tu sais. Pour un mec comme moi, c'est compliqué de se dire, vas-y, tu sais, tu dois pas spammer les attaques. Quand tu lances une attaque, c'est foutu, tu peux rien faire. Tu peux pas esquiver, tu peux pas dire, vas-y, en fait, non, je rigole, tu vois. Tu peux pas. Faut juste pas lancer d'attaque, les gars. Allez, battez-vous comme tout à l'heure, s'il te plaît. Là. Alors, d'abord, on va commencer par le chien, les gars. Hey! Viens là, bouffon! Je suis en train de brûler là, mec. Hey! Attends une seconde. Renez-moi. Voilà, surprise. Eh ouais, mon frérot. Je renais de mes cendres. J'adore cette fonctionnalité. Alors, franchement, j'adore. Eh, franchement, j'adore. J'adore cette fonctionnalité, les gars. Surtout au début, tu sais, au début du jeu, t'es très content d'avoir un truc comme ça, tu vois. Parade parfaite. Bling. Non, même pas, putain. Oh.